Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo spéciale coloriage. J'ai acheté un livre de collage par numéro, je voulais vous le présenter. Donc, c'est les éditions Thunder Bay Press. Donc, je vous avais déjà présenté les vilains qui venaient de ces éditions-là. Et franchement, j'adore ce livre. Le papier est de très très bonne qualité. Franchement, il est super beau. Et là, ils nous ont fait un livre spécial Harry Potter. Donc franchement, il faut savoir que moi, je suis une grande fan des films Harry Potter. Et c'était la première fois que je voyais un livre de collage par numéro Harry Potter. Donc j'étais vraiment trop contente. Franchement, voilà, le thème m'a séduite. Et sachant, parce que d'habitude, Harry Potter, c'est vrai qu'on a tout le temps des livres classiques de collage, mais jamais ni des mystères, ni des collages par numéro, à moins que je les connaisse pas. Mais en tout cas, c'est la première fois. Alors voilà, franchement, j'ai craqué, il me le fallait absolument. Donc il y a 91 coloriages, hein, comme les vilains dedans. Et il se présente à peu près pareil, donc je vais vous le présenter. Donc moi, je l'ai acheté sur Amazon Italie parce que bah, il n'était plus disponible sur Amazon France. Donc je l'ai précommandé sur Amazon Italie et je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Donc franchement, la seule chose qu'il y a, c'est qu'il est un peu abîmé par endroit. Vous voyez, je ne sais pas si ça va se voir là. Mais ouais, je l'ai reçu comme ça, il est un peu abîmé par endroit. Bon, après, c'est pas très grave, c'est pas la faute d'Amazon, hein. Donc, déjà, la couverture, elle est trop belle, avec le château de Poudlard et Harry Potter. Là, franchement, j'adore la couverture. Donc, dedans, vous avez les solutions, d'abord. Donc, je vous ferai voir les pages, hein, ça sera plus visible que les solutions comme ça. Donc, vous en avez ici. Vous en avez là. C'est un peu comme l'autre, c'est le même principe que les vilains. Et vous en avez derrière ici, et après vous dépliez là le code couleur et vous en avez ici. Donc ce qui est bien, ce que je vous disais aussi pour les vilains, c'est que vous avez qu'un code couleur pour tout le livre. Donc une fois que vous avez fait vos petits nuanciers avec vos feutres ou vos crayons de couleur, bah, vous êtes tranquille. Donc là par contre, c'est pas le même nuancier que les vilains, celui-là il y a plus de couleurs, vous voyez, il y a 42 couleurs. Donc déjà, les vilains, il y avait deux couleurs qui étaient un petit peu compliquées à trouver. Et là, je vois, c'est pareil, il y a ces couleurs-là, là, le sand, il est un peu compliqué à trouver dans nos feutres. Donc j'espère que ça va aller. Donc j'ai quelques couleurs là où je pense je vais un peu galérer pour trouver ces couleurs-là. Là. Mais sinon, franchement, il est plutôt sympa. Et ce que je vous disais pour les vilains, c'est que si vous voyez, vous pouvez déplier ici quand vous êtes en train de faire votre coloriage. Vous pouvez déplier le nuancier, vous l'avez à côté. Ça, je trouve ça super pratique. Et il n'est pas recto verso. Donc ça, c'est aussi très très bien. Vous pouvez utiliser le matériel que vous voulez. Donc franchement, je sais pas si je vous ai dit le prix. Moi, je l'ai payé 17,98€ parce que je l'avais précommandé. Et donc maintenant, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas combien il est sur Amazon France. Donc, on va le découvrir ensemble. Je vous ai attendu pour le découvrir. Donc, c'est écrit en anglais, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Pour colorier, on s'en fiche un peu. Donc, voilà la première page. J'adore. Par contre, il est plus détaillé que les vilains. Voilà. Harry Potter. C'est vraiment des scènes des films. Donc là, vous avez des petits images comme ça, assez simples, avec les sorts. Le parrain d'Harry Potter. Il est vraiment beau. J'adore. Franchement, j'adore. Le directeur de l'école de Poudlard. Là, c'est un autre sort encore. Le professeur Rogue. Le train. La montre est très jolie. Hein. J'aime beaucoup. Dites-moi si vous aussi, vous êtes fan d'Harry Potter et si ce livre-là, vous le connaissiez. Parce qu'on ne le voit pas sur les réseaux. Celui-là, il est ultra détaillé. Encore un sort.
Ça, c'est un des premiers Harry Potter. Les frères Weasley. Il est vraiment, vraiment sympa parce que ça reflète vraiment tous les... On a vraiment tous les films d'Harry Potter dedans. Préfère vous faire voir les pages que vous faire voir les solutions, parce que les solutions sont assez petites. C'est ça qui est un peu dommage, par contre. Les feuilles se détachent là. Vous pouvez les détacher. Donc faites attention, parce que moi j'ai vu dans les vilains, parce que moi j'aime pas détacher les pages, et ils se détachent très facilement. Il faut faire attention. Luna. Moi, j'arrive à repérer même les scènes, dans quel film, dans quel âge. C'est trop bien. Franchement, j'adore. C'est vraiment des scènes du film. J'ai pas loupé une page, hein, non. Donc, comme je vous disais, vous voyez, il est quand même assez détaillé. Hein. Je trouve qu'il quand même, il est beaucoup plus détaillé que les vilains. Donc, si vous vouliez des coloriages simples, je pense que là, il faut passer votre chemin. Parce qu'ils ne sont pas si simples que ça, les colos. Il y en a, ça va, mais il y en a. Vous voyez, celui-là, il est très simple. Mais il y en a. Ça, je vois pas trop c'est quoi dans Harry Potter. Dites-moi vous si vous savez. C'est marrant, ça c'est quand il fait quand il jette un sort et puis qu'elle gonfle. Voldemort. Un autre sort, je pense. C'est vraiment très très bien fait. Les dessins sont vraiment très bien faits. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. J'attends que Hermione, parce que Hermione, c'est mon personnage préféré d'Harry Potter, donc j'espère qu'il va être en gros plan. J'espère qu'il y a de l'ombre là, j'espère que vous voyez bien. Ah, elle est marrante cette scène-là. Les détails dans celui-là, vous imaginez les détails dans celui-là? Il va être assez long. Celui-là, franchement, il va être vraiment très long. Là, il y a de quoi colorier. Hein. 91 coloriages. Ça va être la couverture, il me semble. Non, c'est pas la couverture parce que là, il est sur le côté Harry Potter. C'est pas la couverture. Celui-là est très beau. C'est Harry Potter, c'est le 3, il me semble. Celui-là, c'est quand il revient dans le passé. Ouais, c'est ça. C'est vraiment des scènes du film. Enfin, des films, pardon. Il y a une espèce d'ombre, j'espère que vous voyez bien. Je sais pas par lequel je vais commencer, moi, parce que franchement, je les aime tous. Dobby. Ah,
On n'a pas Hermione en gros plan pour le moment. Un peu dommage. J'aime bien Hermione. C'est mon personnage préféré, je l'adore. Voilà. Hermione. Je crois que je vais commencer par celui-là, parce que comme j'aime beaucoup Hermione. Always, moi, je vois pas l'intérêt, je vois pas le rapport avec Harry Potter là, faudrait me le dire en commentaire si vous. Les dessins sont sublimes, Dobby. Ça, c'était le dernier. Voilà pour ma présentation de ce livre. Donc dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà vu dans les réseaux, sur les réseaux, pardon, si vous le connaissiez, si vous êtes aussi fan d'Harry Potter, si vous l'avez ou si vous comptez vous l'acheter. Mettez un petit pouce en l'air si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas le cas. Activez la cloche pour avoir une prochaine vidéo, pour avoir les prochaines vidéos, pardon. Sur ce, je vous laisse en vous souhaitant une bonne journée, une bonne soirée, si on a l'heure de regarder ma vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!